Vous, président, vous n'avez rien fait de plus ni de mieux que votre prédécesseur. Vous n'avez pas été à la hauteur. Vous, président, vous avez terni l'image de la France et assombri ses paysages. Vous en avez fait une nation sans principe, avec un état sauvage. Vous, président, vous avez institué l'état d'urgence parce que vous n'avez aucune autre politique pour sauver la France. Vous, président, vous avez décidé de déchoir de sa nationalité française tout Français qui assassine un Français parce qu'il est Français. Mais permettez-moi, Votre Majesté, de rectifier. On n'assassine pas les Français parce qu'ils sont Français, mais parce qu'ils sont assimilés à votre politique assassine, à votre islamophobie clandestine. Vous, président, vous avez transformé nos femmes légitimes en concubines et nos concubines en courtisanes, des pornailles, comme on dit en grec. Ou plus précisément, vous avez transformé nos courtisanes en concubines et nos concubines en petites vermines. Vous avez ôté à notre morale le peu de morale qu'il reste et doté notre république de quelques danseuses. Vous, président, vous avez démontré par l'absurde que vous n'avez ni la maîtrise du pouvoir, en latin dominus, ni le pouvoir de la maîtrise, en latin magister. Pour le dire autrement, vous êtes incompétent, pas encore. Le pire, c'est que vous êtes aussi inconséquent. Le mal que votre sosie a fait à la Libye, vous êtes en train de le faire à la Syrie. Tout ce que nous avons appris avec vous deux, c'est à comment se faire des ennemis. Vous, président, vous n'avez rien fait d'autre, comme dirait l'autre, que persévérer dans votre être, en sacrifiant tout ce qui vous dessert et en sanctifiant tout ce qui vous sert. Vous avez été jusqu'à vous unir avec votre pire ennemi pour que la valse continue. Cela s'appelle de la prostitution. Monsieur le Président, pornaille. Aïe. Aïe. Aïe.